Bonjour les amis. Vous portez des skis? C'est amusant de skier. Mais il n'y a pas de neige. Comment faire du ski quand il fait chaud comme aujourd'hui? Waouh! Un pistolet à glace! Tu peux faire une piste de ski maintenant! Vas-tu nous montrer comment il fonctionne? Bravo! À ton tour, Chad. Oh non, le pistolet. Amber est complètement gelé. Que va-t-on faire? Un pistolet à chaleur. Bonne idée, Tom. Regarde, Tom. Le pistolet à glace est toujours hors de contrôle. Tu dois l'arrêter avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Super! Tu as réussi! Tu as arrêté le pistolet à glace! Beau travail! Vous voulez faire une dernière descente? Bonjour Tom! Sympa ton jeu! Amber, qu'est-ce qui t'amène ici? Tom, regardons ce qu'il se passe sur ton écran. Avec l'arrivée du printemps, tous les habitants de Car City ont attrapé le rhume des foins. Amber, elle aussi, est très malade et n'arrive pas à soigner qui que ce soit. Tom va résoudre ce problème. Oh.
Waouh, regarde-moi ça. Yeah. Une deuxième Amber. Tom a créé un robot qui te ressemble. Comme ça, tu peux te reposer et te soigner pendant que ton double soigne tes patients. Qu'est-ce que tu en penses, Amber? Génial. Okay. C'est parti, les amis. Bonjour, Marley. Dis donc, ta toux est inquiétante. Tu as besoin de te dégager. Tu te sentiras mieux dans quelques heures. Ne t'inquiète pas. Au revoir, Marley. Yeah. Regardez tous ces malades. Oh, Thierry, comment te sens-tu? Bravo. Ne te sens-tu pas déjà mieux? Oh. Et voilà, les amis, tout le monde est guéri. Ou peut-être pas. Regardez ces deux enfants. Bonjour, les enfants. Regardez qui est là pour vous guérir. Allez, les enfants, c'est pour votre bien. Vous ne devriez pas vous enfuir. Tu vois, tu te sens mieux, non? Maintenant, allons trouver ton ami. Où a-t-il bien pu se cacher? Attends un peu. Toi! Tu étais avec lui tout ce temps. Tu dois savoir où il est. Tu dois le dire à Tom, mon petit. Ne te sens-tu pas déjà mieux? Tu vois? Et tu veux que ton ami guérisse aussi, n'est-ce pas? Hey. Te voilà! On t'a cherché partout! Il ne faut pas t'inquiéter. Regarde ton ami, il se sent déjà beaucoup mieux. Bien joué! Oh, Tom! Toi aussi, tu as attrapé le rhume des foins. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je crois que tu as transmis le rhume des foins au robot Amber, Tom. Maintenant, le robot Amber se promène avec le rhume des foins. Terrible situation. Elle fait peur à tout le monde avec ses éternuements. Comment vas-tu attraper le robot Amber? Wow, tu devrais trouver quelque chose dont elle ait vraiment envie. Comme une friandise. Une sucette? Ouais. Quelle est belle! Il y a un médicament caché dans la sucette? Super idée, Tom! Wow! La voilà! Tiens-toi prêt! Tu as des seins! Il y avait un médicament à l'intérieur et tu l'as avalé! Maintenant, tu n'éternues plus! Yeah! Vous aurez tous les deux appris une leçon aujourd'hui. Bonjour, Tom. Tu regardes le match? Tom, regarde qui est là. Oh, je vois. Tom, tu peux l'aider à trouver ce petit? Un radar? C'est génial! On peut l'essayer dehors?
Ça a l'air excellent. Ce ne serait pas le petit. Jerry, tu veux nous aider? Attention! Tom, comment peut-on l'aider? Oh, le petit est coincé sur la roue. Que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas, Lily. Tom va trouver une solution. Oh non. Tom, je suis sûr que tu vas trouver une idée pour le sauver. À quoi penses-tu, Tom? Waouh! Quelle bonne idée! Attention, Lily, ne marche pas sur l'hélice! Oh non! Ça, ce n'est pas bon du tout! Allez, mon petit, n'aie pas peur! Tu ne risques rien. Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu as quelque chose à dire, mon petit? Excuse acceptée. Tu as besoin qu'on te dépose à l'école? C'est parti! Ça a l'air sympa, les amis. C'est comme si vous flottiez dans l'air. Qu'en penses-tu, Tom? Un rayon anti-gravité? Cool! Tu t'envoles, Walter! Voilà Carrie. Elle vous cherche.
Le pauvre Gary doit croire qu'il rêve. Bienvenue! On s'amuse bien là-haut. Oh non! Le pistolet à rayon est tombé par terre. Les enfants ne nous voient pas, les amis. Non, ne touchez pas au pistolet à rayon, les enfants!